Le soleil artificiel conçu par la Chine a atteint une avancée importante en atteignant une température de 100 millions de degrés Celsius et cela pourrait paver la voie du développement d'une énergie nucléaire propre. L'expérience a été menée par l'Institut de physique du plasma. Il utilise les éléments du deutérium et du tritium qui sont largement présents dans l'océan afin d'imiter la fusion nucléaire du Soleil. L'Institut déclare que le succès du réacteur et l'innovation peuvent apporter une base technologique cruciale pour l'énergie nucléaire propre.